Bon. Oh, merci. Déjà deux personnes connectées. Pardon. Papa, Soubi, je suis, mon direct a déjà commencé. Hein? Pour dîner un peu. Hein? Ferme la porte, pardon. Merci beaucoup. Oh, mes abonnés, mes impactés, merci. Je vous vois déjà connectés. Chérie, mon direct a déjà commencé. Comme tu parlais fort au téléphone, hein? Diminue un peu. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Hein, comment vous allez? Oh, mes personnes. J'ai mes personnes. Oh là là, merci beaucoup. Anjiao, comment vas-tu? Hé, la mère, comment tu vas? Merci, Michou. Tu es calé, je te vois. Hé, là là. Aubin Ibo. Ayo. Ouais. Marceline Assamoah. Comme c'est la nouvelle année, je suis en vacances, donc je me repose. Vous voyez, hein, je ne fais plus trop les directs. Je prends soin de moi, je me repose, tout et tout. Parce que ça fait un an que je ne me suis pas reposée. Je suis dans les wow, réseaux sociaux, le travail. J'ai dit, Monique, respire un grand coup. Les réseaux sociaux, ça ne fuit pas. Donc, et puis maintenant. Oh, Keita Oumi. Oh, merci. David Gallardo. Oh, Hortense Kouakou. Georgette Amouzou, très belle today. Oh, thank you so much. La mère, comment tu vas? Anjiao, je vais prendre un peu le temps pour vous dire, parce que je ne peux pas mettre du tout, pas la télécommande pour mettre la musique. Jéhovah, Michou Jéhovah, et Sandrine Zoku. Et là là, oh là là, Laetitia Okema, comment vas-tu? Oui, c'est important, surtout ici là, parce que. Après ça, là, je vais avoir que les vacances quand, je pense, en avril, qu'on va commencer les vacances. Ben, peut-être que moi, je vais les prendre plus tard. Hé, maman, grande sœur, Jeanne, je vais t'appeler. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous remercie pour tout le poste que j'ai mis. Mon fils depuis la Russie, ma Juju, tout le monde. Oh là là, merci beaucoup. Oui, je vous manque parce que je prends soin de moi. Et puis c'est la fin de l'année, nous qui sommes des travailleurs autonomes, chefs d'entreprise, tu es obligé de bien regarder tes affaires pour faire les impôts, tout ça. Vraiment, il y a beaucoup à faire dans vacances là. Et merci beaucoup. Bonne année à tous. Didier Rebessoa. Bonjour, mon Dieu, les noms sont compliqués parfois. Merci, oh là là, merci pour les cœurs. C'est donc bien fin, c'est donc bien cute. Merci beaucoup. Je suis là aujourd'hui pour vous dire merci. J'ai mis un petit poste. Merci. Idalom, je m'améliore. Vous avez mes capes là, je suis pas fort dedans. Donc, je m'améliore de jour en jour. Mais ma fille, elle me dit, maman, tu t'es beaucoup améliorée. Ouais, c'est vrai, je me suis améliorée. Moi, elle dit que c'est Makipao, mais elle connaît tout sur YouTube. Donc, celle qui me dit, non, maman, trace un peu comme ça, trace un peu comme ça. Et puis, je fais. Oh là là, 150 étoiles, je vous dis merci. Avant là, il me maquillait. Il y a une qui était venue sur ma page au début, qui a dit, tu t'es maquillée comme, avec ton maquillage, on dirait, toi, tout, avec ton maquillage, qu'est-ce qu'il a dit là? Tout ça là, au début on prend mal, mais après là, tu t'améliores avec ça. C'est pas mauvais. Un jus n'est pas mauvais, hein. C'est qu'elle suit, c'est un jus sur ton physique. Oh, tu es comme ça, tu es comme ça, c'est ce que moi j'aime pas. Sinon, tu es mal maquillée, tu es quoi. Tout ça aide. Ma soeur, vous avez vu dans 24 décembre ou bien 31, là, elle, c'est la reine du make-up. Donc, elle m'aide un peu. Hein, Wendy, maman, regarde ici. Ta, ta, ta. Bon. Wendy, elle est partie quelque part. Elle n'est pas là. La maison est tranquille. Je suis avec le roi seulement. Il n'y a personne. Je suis avec le roi. Donc, imaginez-vous la belle vie à l'air là. Le roi et moi, dans la maison, nous deux. On est. Quand il n'y a pas enfant là, il n'y a papa là. On est d'accord. Tout ce que tu dis, oui, chérie. Oui, papa. Oui, chérie. Vers la fin là, on connaît ce qui va arriver. Patel le direct. Merci pour les 150 étoiles. Il n'y a plus d'alcool, on boit de l'eau. On boit de l'eau seulement. Merci. Bon, je suis là aujourd'hui, mes impactés. Qui a mis? Merci. Attends, qui a mis? Les frères et sœurs, j'ai déjà fait. Bon. C'est pas grave. Laissez-les, ils vont faire leur publicité. Si ça peut les aider à s'en sortir sur les pages. Ok. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça dans le inbox.
Bon, portefeuille, comment ils appellent ça, portefeuille pour avoir l'argent, pour voir quoi? J'ai dit quoi? Toi, tu es en Afrique, tu vas me demander au Canada pour avoir l'argent. Et puis moi, je vais t'envoyer l'argent pour avoir l'argent. Ouais, merci beaucoup. Elle dit big up pour moi. Merci. J'ai dit à ma soeur que il y a une phrase que je n'aime pas, que les impacts. Le roi parle pas. Ta, ta, ta. Mais ma soeur m'a dit, Monique, quand on dit il parle pas, c'est pas que non, tu le commandes tout et tout. J'ai dit oui, bah, il y a des gens qui font les commentaires. Son mari, tant, tant, son mari, tant, tant, ça m'énerve. Elle dit non, faut pas prendre à mal. Quand on dit ça là, ça dit que ton mari est ouvert d'esprit, tout et tout. J'ai dit oui, ok, j'ai compris. Bah, avant qu'on dit non, il parle pas, il le commande. Ça, je n'aimais pas. Je n'aimais pas ça. Bah, je ne le commande pas. Lui qui est là, là vous-même qui êtes marié, il y a des ethnies au pays là-bas. Quand tu es marié, là, il s'assied sur ta tête. Mais comme lui aussi, il a vu que moi aussi, c'était un peu comme on fait Zabouirougou. Il a compris que elle, là, il faut qu'elle aille doucement. C'est comme on s'est entendu. Sinon, je ne commande pas. Il n'y a pas quand on dit que non, elle commande son mari, elle, ta, ta, ta. Mais soumission, là, il a dit que zéro soumission depuis le premier jour. Devant une grosse bière. Il avait 2500 dans sa poche. Il a dit, qu'est-ce que tu prends? Il dit, moi, il prend une grosse bière. Il dit, ah, tu bois? J'ai dit, oui, je bois. Il dit, moi, il boit pas. Il dit, ah, moi, il boit. La paix, ma grosse bière, c'est 2500. Il m'a demandé, tu manges quoi? Il dit, un poisson, la braise. Il avait fait ce jour-là, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, il a dit, bon, je fais ça, il n'y a pas de musique. Pourquoi vous profitez pour partager le direct? Pourquoi on cause un peu, puis après, il rentre dans le vif du sujet. Il a dit, ah, mais moi, je n'ai pas faim. J'ai dit, ok, mais moi, je vais manger. Il a fait mon poisson, la braise, c'est 2500, tout et tout. Après, il m'a donné un petit 500. Le premier jour qu'on s'est connu. C'est ça. Donc, c'est vrai, ma soeur a dit, il ne faut pas toujours prendre à mal quand il a dit non. C'est pas que ton mari, il est ouvert d'esprit. Que les gens disent, c'est-à-dire, les interprètent mal. Les interprètent mal, on dit non, elle parle, son mari est assis, elle parle. Il est assis et puis elle parle et puis ça ne chauffe pas. Aïe. Mais seulement que j'ai dit que soumission. Il n'y a pas autre problème ici. Et je peux te recevoir ici. Comment, mais débat de soumission, il faut sortir dedans. D'ailleurs, quand tu viens, quand il s'en est cherché à l'aéroport, tous ceux qui sont allés dans nos maisons ici, que ce soit à Longueuil, il lui a dit que ma femme n'est pas compliquée. Oh, où tu t'en vas là? Elle va. Elle a déjà. Quand ils viennent du pays, là, ils aiment poulet et frites. Il y a une manière de faire mon poulet et frites. Tous ceux qui sont passés, il dit, ah, on dit le roi. Dans notre entrée, on dit, il a un autre nom. On dit, ah, le poulet et frites de ta femme, lui, qu'on est arrivé au Canada. On ne peut pas oublier ça. On mange poulet et frites partout. Aïe, la mère, il frappe le pied. Il fait ça de telle sorte que. Quand ils arrivent là, ils sont fatigués comme ça. Quand ils arrivent de l'aéroport, avec les vols, les escales, ils sont comme ça. Bon, là, j'ai dit, tu as te laver. Je suis fatigué. J'ai dit, fais un effort, lave-toi. Prends tes forces. Et dépose pour les frites devant. Il d'abat ça. Il dit, ah, ta femme est préparée. Après ça, là, il dit que où tu la vois là, là. Débat de soumission. Vos débats bandés en Afrique là-bas. Oh, moi, il faut. Si tu as fait ça là. Elle va te mettre, ça dit, elle a mis croix rouge sur toi. Ça dit, et puis pour qu'elle puisse t'aider, ça passe généralement par elle. Mon mari ne cache pas. Il dit, moi, pour qu'elle puisse t'aider là, il faut que ma femme donne son accord. C'est que je vais t'aider dans le noir, hein, mais vers la fin là, il y a son apport qui va venir. Donc, mon cher, où tu la vois là, elle dit que depuis le premier jour, je n'ai pas dans soumission. Et puis, bon, moi, elle est respectée. Et puis, elle ne m'a jamais manqué de respect. Elle n'a jamais manqué de respect à ma famille, malgré qu'elle ne veut pas soumission là. C'est elle chaque fin d'année ou bien chaque temps, dès qu'il y a un problème de ma famille, c'est elle qui intervient. Donc, c'est une bonne femme. Moi, elle apprend comme ça. Son seul côté, elle dit qu'elle ne va pas me donner une soumission. Moi, elle respecte ça. Merci beaucoup. Mes amis, je suis là pour toucher le fond du sujet. Merci beaucoup. Partagez le direct. On est 700 et quelques sur le direct. C'est correct. J'apprécie. J'ai vu que vous avez partagé le direct. Oh, Aminata Sanogo, comment tu vas? Merci beaucoup. Bon, on a vu le direct de Emma Lolo. Emma Lolo, ma beauté. On a vu son direct là. Vous savez, maintenant, comme j'ai dit que j'ai reçu beaucoup de conseils de votre part, l'impacteuse, tu as beaucoup de potentiel. On m'a dit, vous me dites, écoute, hein, des milliers de messages que je reçois ici. Quand mon petit a parlé un jour, le jour que je me suis réconcilié à mon petit, comme je vous ai dit, je ne dis pas son nom, il m'a dit. Elle devait être dans la catégorie, elle doit être dans la catégorie des coachs et monde des Sonia. J'ai trouvé que le petit m'a honoré. Mon pote dit la vérité. Si elle menti, mettez le cœur. Il m'a dit ça. Il a dit ça sans rendre compte. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, moi, mais peut-être, je ne vois pas mon potentiel, tout et tout. Mais les messages que vous m'envoyez, j'ai compris que le petit, oui, c'est vrai, il m'a attaqué, mais il m'a honoré. Il m'a dit.
Il dit, elle doit être dans la gamme de Lady Sonia de temps en temps. Donc, j'ai compris que le blog, je vais le faire, mais d'une autre façon. Quand il y a un buzz là, les éléments qui m'intéressent dans le buzz, c'est ce qu'il y a point pour mettre en avant. Donc, le buzz de comment on appelle ça, de Emma Lolo, je vais venir soulever des éléments. Elle a dit beaucoup de choses, oui. Elle a dit, je la suis, elle a dit, je suis nerveuse. Dans son direct, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nervosité, mais elle se contenait, elle se maîtrisait, Mais il y a des choses, elle a dit, des filles, vous voulez toujours faire à la sueur de vos fesses, tout ça. Bon, je me suis dit, c'est la couleur, c'est pas grave. Mais moi, les éléments qui m'intéressent, ça dit que le service client, comment on accueille le client dans les entreprises en Afrique, l'élément a été soulevé dans son direct. Donc, c'est pour ça que je suis là pour vous parler de ce direct-là. Mes amis, j'ai déjà fait une vidéo, je n'étais pas connue encore. Il y avait même encore 5000 abonnés. J'ai fait une vidéo où j'ai soulevé cet élément-là. J'ai dit qu'en Afrique, on ne considère pas, ça dit que le côté où on doit rendre le client roi, où on doit mettre le client en haut, on ne considère pas trop ce côté. On minimise ce côté-là. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui pour parler de ça. J'ai fait un post où j'ai mis là-bas. J'ai vu le post 150 likes. Pour un sujet aussi important, j'ai vu 150, même pas 200 likes, quelques mes impactés, ceux que j'appelle mes personnes, ils ont commenté, ils ont dit, je vous dis merci. Vous qui avez commenté ce post, je vous dis merci. Je dis aussi merci à ceux qui sont là pour faire des remarques à l'impacteuse. Parle des sujets importants. Si j'avais mis un sujet de Mamie Casse-Cou ou bien de quoi, un sujet comme le ballet qui fait le buzz, si j'ai mis sujet de ballet, j'ai choisi un sujet de ballet et puis sujet où quand vous arrivez dans les entreprises, on vous accueille mal, on vous prend comme des moins que rien. Il a regardé, il a dit c'est pas grave, ça c'est un buzz. Si j'ai mis à faire des ballets, j'ai mis image de ballet, tout ça, les gens allaient être là, mais Dieu merci, je vois que vous êtes mis les quelques sur mon direct, je vous apprécie. Partagez seulement tout ce que vous demandez partager. Elle a dit dans son direct, les éléments moi qui m'intéressent là, comme dans l'affaire Eka, j'ai pris l'élément qui m'intéressait. Le reste, vous avez vu qu'elle n'a pas parlé dedans. Ils m'en fout de ça. Quand quelqu'un se sépare, elle, son gars, comment il se sépare, ce n'est pas mes affaires. Moi, le côté des enfants, où on a priorisé les enfants, c'est ce qui m'intéresse. C'est comme ça ici aujourd'hui. Le côté du service client. Comment le client est méprisé en Afrique? Comment le client est pris? Ça dit que... Aïe, aïe, aïe. Ça dit qu'on met le client même en bas. Merci pour les étoiles. Comment on met le client en bas? Moi, je suis là pour parler de cet élément. Mais je vous ai mis dans mon post. Un client mécontent, ça dit que quand il sort de ton entreprise là, la nouvelle là, il va propager ça à 7 à 10 personnes. Vous imaginez? Je suis sorti de ton institut de beauté, puisque je parle de Emma Louès. Je sors de ton institut de beauté et puis j'ai été mal accueilli. Le service que j'ai reçu n'est pas un service qui est comme high, un bon service. Mais je vais dire à 10 personnes. Imaginez-vous, ces 10 personnes-là, comment elles vont essayer de transcender la nouvelle de gauche à droite? Oh, le truc de Emma Louès là, c'est la flaque qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Quand tu t'en as là-bas là, on t'accueille mal. Donc vous voyez, ça dit que vous voyez l'impact négatif que ça dit que ces gens de comportement là peuvent avoir sur une entreprise. J'ai parlé de ça. Mais les bonnes nouvelles ne vont pas vite. La preuve, direct où j'insulte là. Si, direct où j'insulte là, on partage. Direct où on m'a insulté quelque part, on a partagé. Direct où j'ai insulté, on a partagé. Donc, ça s'explique. Vous comprenez? Ça dit que c'est comme les gens veulent voir la négativité. Les gens se retrouvent... Je ne sais pas s'il faut dire... Oui, les gens se retrouvent facilement dans la négativité parce que ça, c'est hors norme. Ça sort de ce qui est normal. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Mais les bonnes nouvelles, comme on dit en Afrique, si je t'ai critiqué là, ça va vite arriver chez toi. Si je dis bonne nouvelle de toi là, ça va pas vite arriver, ça a traîné. Ben, ça, c'est... Ça dit que c'est dans l'ordre normal des choses. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on a une business. C'est très important. J'ai vu Emma Louet dans son direct. Comment? Ça dit, il faut être à sa place. Moi, je suis entrepreneur. Au Canada, on m'appelle travailleur autonome. On m'appelle travailleur autonome. J'ai dit que où je suis dans mon sous-sol ici, je peux prendre comme autant de... Ça dit, il y a un nombre de personnes que je peux prendre. Mais j'évite même ça. Ben, la personne va venir, il faut gérer ses humeurs. Ici, c'est les affaires d'humeur. Généralement, les gens qu'on prend pour notre travail, ils sont compétents. Et puis moi, si je veux prendre là, je vais prendre quelqu'un qui est déjà formé. Donc, la personne qu'on est un peu, si vous voulez, le dé à bas. Mais on a vu que dans son truc, elle a reproché le fait que
Il y a le manque de professionnalisme. Hein? Les filles viennent là parce qu'elles espèrent trouver tout de suite pour elles. Hein? Ma chérie, hein? Emma Louette, tu sais que moi, je t'aime bien. C'est la vérité. Quand moi, j'aime là, je te dis les bêtes. Hein? Mais quand elles viennent là, elles veulent te ressembler. Qu'elles viennent là, qu'elles parlent dans leur maquis là-bas. Si elles mentent là, dites-moi. Oh là là, 640 étoiles. Qu'elles viennent dans ton institut là. Oui, toi tu les prends pas et tu as une business. Une business. Toujours j'ai dit une business là, mon cher, c'est de quoi? Un business, une business. Tu as une business. Mais maman, elles viennent pas, elles veulent te ressembler. C'est pour ça qu'elles viennent. Les human hair tu mets. Et puis ça brille sur toi. Les lolos qui sont là. Les fesses sont. Maman, elles viennent dans ton institut. Pas elles veulent te ressembler. Il y a une maman ici au Canada. Vous savez, je suis curieuse depuis longtemps. Elle a son business depuis Wendy a. Wendy avait combien? Je pense 6 ans. Wendy avait 6 ans. Quand on nous a parlé, elle vend le poulet sur la rue Fleury. Elle vend le poulet là-bas. Un décembre, on m'a dit, ah, il y a une maman congolaise qui vend du bon poulet. Vous qui êtes à Montréal, vous connaissez sur la rue Fleury Ouest. Je suis partie, j'ai posé une question. Elle a oublié, mais peut-être moi, je n'ai pas oublié. Je suis allée, j'ai constaté qu'il n'y a que des garçons dans sa business. J'ai dit, maman, aïe, toi, tu prends que les garçons. Elle dit, maman, elle dit, ma fille. J'ai essayé, elle, les filles, oh, il y a problème. Qu'elles viennent là, c'est concurrence pour voir, oh, elles sont dans Comiras. Donc, depuis ce jour, je prends que des garçons. Depuis, tu savais, il y a dit Wendy a 6 ans, il y a dit Wendy a 14 ans. Je m'en vais, il n'y a pas fille qui sait là-bas. Tu comprends? Ça, c'est un élément. Peut-être qu'elle va recevoir mon direct. Vous pensez souvent que ce sont les filles qui rapportent. Les filles, quand elles viennent là, maman, elles viennent pour te ressembler. Hein? Elles viennent parce qu'on a dit que. Bref, je mets ça entre griffes, je sais que c'est pas ça. Mais elles viennent par là, on dit que non, avec toi, on gère les busies. Si j'ai menti, Pataï le direct. Pataï le direct, c'est qu'elle dit, c'est la vérité. Elles viennent par là, on dit que tu gères busy. Tu vas les aider à trouver un boss qui va les entretenir. C'est pour ça qu'elles viennent dans ton institut. Hmm? C'est la vérité, elle dit. Je suis en train de te dire, ça dit que, peut-être, ça dit, je t'ai vu parler, j'ai vu une personne. J'ai vu une personne vraie. Et puis, comment tu es même là? Toi et Malouès, comment tu es là? Maman, c'est difficile, oh, tu es comme moi. La générosité. Hein? La générosité, là, quand on te regarde, ça se lit sur ton visage. Nous, les généreux, là, on nous bloubarde chaque fois. Moi, c'est pas, il y a quelqu'un qui est dur derrière moi. Il me dit, chérie, ça, là, qui est dedans? Il y a un qui est venu sur les réseaux sociaux. Il dit, il s'appelle Petit Choubi. Quand j'ai vu Petit Choubi, j'ai dit, hi. Choubi, il y a quelqu'un qui s'appelle Choubi. Mais Choubi, ce n'est pas son nom que moi, il lui ai donné. Il s'appelle Choubi. Hein? Le roi s'appelle Choubi. Lui, il a pensé que Choubi, c'est le petit nom. Il s'appelle Choubi. Et puis sa maman l'appelle Choubi, Choubi. Et puis c'est resté. Donc ceux qui le connaissent l'appellent Choubi. Les autres l'appellent Choubi. Donc, quand je l'ai connu le premier jour, il a dit son vrai nom. Mais après, il y a Choubi. Quand il a vu Petit Choubi, il a dit, ah papa, il y a quelqu'un qui s'appelle Choubi comme toi. Il dit, ah, qui s'appelle Choubi? Choubi, c'est le diminutif de Choubi. Hein? C'est un Allemand qui est venu en Côte d'Ivoire. Mes parents l'ont connu, ils ont rendu service à mon parent, ils ont donné Choubi. Moi, je suis Choubi. Ma soeur s'appelle China. Donc, Choubi et China, c'est monsieur, madame. J'ai dit, j'allais me faire bloubander. Hein? Nous, les généreuses, on nous bloubande. Tu comprends? Donc, quand je regarde ton visage, je vois que bon, le côté générosité est trop sur toi. Hein? Toi-même, tu as pris une amie que je ne dis pas ça pour rabaisser ma petite, comment elle s'appelle, Ozoa, non. Tu as pris une amie, on a vu nous tous comment tu prends Ozoa. Donc, quand ils voient, ceux qui viennent dans ton institut là, elles voient ça là. Hein? Hein? Petit Choubi a failli me bloubander sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les choses, je vous dis, oh bah. C'est le roi qui m'a dit, ah, toi, tu aimes trop tes affaires. Qui est Petit Choubi là-bas? Petit Choubi, je suis rendu. Petit Choubi m'a raconté une histoire rocambolesque. Hein? Une histoire qui quitte ici à Montréal, qui arrive à mon village à Yokoria pour partir chez le roi là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pour une histoire de palu, non, j'ai dit, mais quel est le diagnostic qu'on a posé à l'enfant? Il l'a tourné, il dit, papa, tu as raison, le gars là, il voulait me bloubander. Vous comprenez? Il voulait me bloubander. Enfin, il a vu dedans que la dame n'a pas le mot. Comme a dit, il n'est pas mais comment les enfants pour te détester? Il dit, dans la vraie vie, je ne suis pas en rancune avec personne. Il n'y a pas, mes 45 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que je ne parle pas à Monique. Quand il te fait du mal là, si tu es fâché, il dit pardon, il faut laisser, pardon, il faut laisser. Et puis,
Je n'ai pas de problème. Maintenant, si tu m'as réagi sur les réseaux sociaux, tu as dit que je ne l'aime pas. C'est ton propre péché que tu as pris. Sinon, dans la vraie vie, l'impacteuse n'a aucune rancune avec personne. L'impacteuse n'est pas en parler à personne. Mais maman, toi et moi, l'ouest que je vois là, ça dit que essaie de te départir de tes affaires. Oui, j'ai vu dans ton direct, tu as dit oui, j'ai pris quelqu'un, mais on a un problème de compétence en Afrique. Oui, on est sérieux. Problème de compétence. Il faut que les Africains comprennent que c'est pas quand vous êtes dans l'entreprise de Emma Louès, c'est pas Emma Louès qui vous paye. Si vous comprenez ça déjà là, oh, on a déjà fait un pas en avant. Mais vous ne comprenez pas. Vous venez, vous voulez ressembler à Emma, maman, elles veulent te ressembler. Ça dit, je vais appuyer dessus. Les filles que tu embauches là, essaie avec les garçons. Prends des hommes avec, ça dit que tu as dit que tu fais du recrutement. Oui, un recrutement où en fait, j'ai vu ce matin, un recrutement où tu as pris, il y a près de combien, 1000 et quelques personnes. Bon, c'est trop là pour un recrutement, mais c'est pas grave. Prends ton temps, respire un grand coup, tu vas regarder dedans. Essaie avec les hommes, hein. Dans l'esthétique là, il y a des hommes aussi, des hommes qui sont efficaces. Aux États-Unis, au Canada, en France, Les grands maquilleurs, ceux qui font les grands make-up là, c'est des hommes. Donc, quand on donne la chance aussi aux hommes, oui, parce que ces filles elles viennent là, l'homme va, le jeune que tu as pris dans ton entreprise, il va pas vouloir te ressembler. Il va pas vouloir te ressembler. Mais comme a dit mon petit en Russie, il y a de l'éducation à faire. Mais oui, quand on vient dans une entreprise, c'est pas l'entreprise de mon papa. Moi, je m'en fous, c'est pas pour mon papa. Mais quand tu as dit, c'est pas l'entreprise de mon papa, ça dit que tu as bâclé le business de la personne. Vous comprenez? Alors que c'est pas Emma Louès qui te paye, c'est les retombées de ce que Emma Louès gagne là. C'est le bénéfice, tout et tout. Quand elle finit de faire ses charges fixes, tout et tout, c'est dedans qu'elle va payer ses employés. Vous comprenez? Maintenant, on vient parce qu'on veut te ressembler, parce qu'on dit qu'avec toi, on peut avoir un boss à Abidjan. Et c'est pour ça que les gens se ruent dans ton institut, maman. Je te dis ça. Oh, ah. Elles viennent, elles se ruent dans ton business là. Par exemple, on te voit sur les réseaux sociaux. Tu brilles, maman. Les lolos sont là. Le beau braba est bien placé. Et puis, tu es toujours attentionné, tout et tout. Quand on regarde ça, on dit, hey, Seigneur, parce qu'elle va me prendre dans son institut pour qu'au moins je gagne mon poste là. Maman, ma petite, tu es ma petite soeur. Et ma lolo, elles viennent dans ton institut. Parce que elles veulent avoir les boss là-bas. Elles viennent pas pour travailler pour toi. Elles viennent pas pour travailler pour toi, pas en toutes. Pas en toutes. Elles viennent pour que là-bas, on dit que tu gères busy. Pour que tu ailles les aider. Tu as fait un direct aussi dans lequel j'ai apprécié. Où tu as dit tu as travaillé. Oui, tu as eu le support de ta famille. Mais tu as travaillé fort pour avoir ça. Mais c'est pas pour ça qu'on vient chez Emma Louès. On vient chez Emma Louès pour qu'il y ait passé par là. Si j'ai eu pour moi, c'est pour ça que les gens ne s'investissent pas véritablement dans ta business. Voici les raisons qui expliquent. Merci pour les 6750 étoiles. Vous comprenez? C'est devenu... Ouh là là, j'ai manqué un petit... Je t'écris depuis le Canada. Vous comprenez? Quand je t'ai vu, je sais combien coûte un spa. Je suis au Canada. Je sais combien ça coûte. Tu comprends? Donc, c'est qu'il y a de l'investissement que tu as fait dedans. Mais, comme j'ai dit, ça prend de l'éducation. Oh, excusez-moi, mon téléphone il sonne. Allô? Vous comprenez? Donc ça prend, ça dit qu'elles viennent là parce qu'elles aspirent à autre chose. Et c'est avec des jeunes garçons qui ont reçu de la formation. Oui, tu penses que oui, tu as fait, oui, je t'ai tué, mais c'est la vérité. Vérité était dit, maman, Emma Louès, les filles viennent dans ton nom, dans ta business, pour qu'elles disent, allez, comment je travaille dans le sud de Emma Louès. Là-bas, là, on peut avoir un boss qui va m'entretenir, qui va m'aider, il va me donner moyen fraya, il est trouvé pour moi là. C'est pour ça qu'elles viennent dans ta business. Elles ne viennent pas pour travailler. Donc, il faut essayer avec les hommes. Il faut essayer. Essayer avec les jeunes. Le jeune, là, il va venir là. Il ne va pas t'envier. Même que qu'il soit efféminé, il ne soit pas efféminé. On est ici là. Souvent, quand on va dans des instituts, c'est des hommes qui nous accueillent. Donc, tu comprends ce que je suis en train de dire. Il y a ce facteur-là qui est l'élément premier. Mais il y a l'accueil.
qui est un élément crucial. Mais ça, c'est le... On va aller chercher ça dans deux éléments. Il y a le comportement humain. Oui, quand je dis le comportement humain, notre culture, comme j'ai dit, où ça dit qu'on arrive dans une entreprise et puis, ça dit, quand on cherche le travail, on s'accroche. Mais ça va plus loin. Vous comprenez? Quand on cherche le travail, au début, on est doudou. On est doudou. Après, on relâche. On traite le client. Mais c'est le client-là qui apporte de l'eau au moulin. C'est le client-là. J'ai dit que moi, j'ai une business. Je ne peux pas jouer à ça. Ma business, là, quand les parents viennent le matin, j'ai dormi, oh, j'ai fait parler le roi. Oh, ma maman est quoi là-bas, oh, au pays, oh, quand ils arrivent. Allô, ça c'est bon, ils me connaissent. Allô, allô, bonjour. J'ai dit que les histoires qui n'ont rien à voir avec moi, on me raconte ça. J'écoute, attention. Oh, Monique, hier, yeah, il a dit qu'il a pensé à toi. Il a dit que tel ami l'a fait. J'ai dit, ah bon. J'ai dit que tu écoutes les histoires qui ne vont pas t'amener quelque part. Mais tu écoutes avec l'attention. Tu fais, ça dit que tu regardes le parent dans les yeux pour lui dire que son histoire qui t'intéresse, qui te raconte là, même si ça n'a pas t'apporté quelque chose, mais lui, c'est important pour lui, hein, que, oh, eh, Monique, eh, comme ça, eh, tata a fait ça à la maison, il a dit Monique, il a tata, tu c'est ok, d'accord, bon, monte, tu comprends, tu joues le jeu. Pourquoi? C'est ta business que tu protèges. Vous comprenez? Aujourd'hui, elle vous parle, c'est une femme d'entreprise qui vous parle. Elle vous parle les hoha. Vous comprenez? Mais non, c'est pas ça. On n'accorde pas de l'importance. Le client rentre, on le méprise. C'est à peine si on le regarde. Mais je suis allée, quand j'étais à Abidjan, il y a une coiffeuse qui était à Makori. Je sais pas. Il y a une coiffeuse qui était à Makori. On m'a dit, cette coiffeuse-là même, elle a quitté... Elle a quitté Abidjan, elle est partie en France. Une grande coiffeuse à l'époque qui était à Makori, qui coiffait tellement bien qu'elle a coiffé une de mes amies. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah oui, pourtant j'avais ma coiffeuse qui me coiffait bien. Nous les femmes, notre côté envieux, notre côté où on pense que c'est pour l'autre là qui est bien. Elle m'a dit, maman, voici son adresse. Elle m'a donné. Il a dit que je suis arrivée dans le salon de la fille, c'est à peine si on m'a regardée. Et cette coiffeuse-là, une grande coiffeuse, retournée 10 à 15 ans en arrière à Makori. Elle est maintenant à Abidjan. Elle est maintenant à Paris. On m'a dit là. Quand j'ai entendu que cette coiffeuse est partie à Paris, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est partie chercher là-bas? Maman, le jour que je suis rentrée dans son salon, tu peux pas. Elle, mais c'est à peine si on m'a regardé. On m'a même pas regardé. Elle était présente. Elle m'a confié à une petite. Pourtant, moi, je suis venue sur référence. Quand je lui ai dit, ah ben je viens de la part de temps, il y a une coiffure que vous avez fait, hein? Nous les femmes, notre côté envieux, c'est de ça qu'il vous parle là. Pataille le direct. Pataille, parce que vous avez mis 2000 étoiles là. Pataille le direct. Forcé, elle va recevoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que l'impacteuse parle sur toi, tu n'as pas recevoir. Maman, si elle parle sur toi là, c'est pas avec la haine, c'est ce qu'elle ressent qu'elle te dit. Vous comprenez? J'arrive dans son, on m'a même pas regardé. On m'a pris, on m'a donné à une là-bas. Elle sait même pas, en tant qu'une patronne du salon, elle est venue, elle n'a même pas, ça dit que j'aurais voulu qu'elle vienne pour voir si la coiffure était correcte. Elle ne m'a pas regardé, pas en tout, elle ne m'a pas regardé. Mais quand ça, une de ses clientes est venue, ma chérie, comment tu vas? Oh là là, j'ai dit qu'on a quasiment déroulé le tapis à l'autre qui était là. Pourquoi? Est-ce que ça c'est une bonne façon d'accueillir? Vous comprenez? C'est pas une bonne façon d'accueillir. J'ai dit à ma copine, coiffure, mais elle a fait sur ma tête, je voulais là. Je ne savais plus si c'était ce qu'elle voulait. Tellement on m'a méprisé dans le salon. On ne m'a pas regardé dans ce salon-là. On m'a prise comme une moins que rien. Je n'ai rien dit. Le soir, ma copine est venue. Momo, la coiffure, on n'a pas dit. J'ai dit, ah, c'est la patronne qui a fait pour toi. Je suis partie, la patronne ne m'a pas regardé. Je n'ai rien dit. Je suis venue. Merci pour les 2050 étoiles. Je suis venue, je me suis assise dans mon coin. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce salon, je me suis retourné vers ma patronne. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a de l'éducation à faire. Mais ça va plus loin. Nos médecins, comment ils accueillent les patients à l'hôpital? Comment les médecins se prennent pour les rois? Comment les sages-femmes traitent les patients? Comment les infirmiers? Ça veut dire que c'est toute une éducation qui est à refaire. Vous comprenez ce que je dis? Il y a de l'éducation à refaire. Malheureusement, quand elle a mis ce poste, vous avez regardé, vous êtes passé. Merci encore à ceux qui ont commenté, qui ont liké ce poste. Parce que c'est la réalité africaine. Vous comprenez? C'est la vraie réalité qui est là. C'est ça. On privilégie un client
ça dit qu'au détriment d'un autre. Vous comprenez? Le client là, quand on dit le client, c'est l'accueil là, c'est l'élément crucial d'une entreprise. C'est la vitrine d'une entreprise. Quand j'arrive dans une entreprise, l'accueil qu'on va m'accorder, l'importance qu'on va m'accorder, je vais oublier le prix tout de suite. J'arrive dans ton entreprise, il y a partout où on fait les perruques, partout, mais j'arrive chez toi. J'arrive chez toi, l'accueil que tu as. Ma coiffeuse aujourd'hui, elle me regarde, une fille congolaise. Quand je mets chez elle là, je ne compte pas. Ben, elle me satisfait. Je lui ai dit, Mimi, maintenant je ne vais plus chez toi. Ben, j'ai coupé totalement mes cheveux. Je suis en train de les traiter. C'est pour ça que j'ai ma coiffeuse ici, ma soeur, qui me coiffe. Donc, ça veut dire que je reconnais que j'arrive chez elle, elle te reçoit à ta hauteur. J'ai référé plusieurs personnes qui sont allées là-bas. Mais nous, ce n'est pas ce côté-là. Donc, c'est. Oui, c'est vrai. On a ce côté-là où il y a le comportement humain. Ce côté, il n'est pas vu ça chez les Blancs. Oh. Tu arrives chez eux, que ce soit dans la banque, que ce soit partout, il y a l'accueil qu'on va t'accorder. Il y a le. À tel point que même tu es gars ou tu arrives au Canada, le que tu arrives à la banque, c'est là déjà que tu te sens important. Il y a l'immigration à l'accueil là-bas. À l'immigration, on te dit Welcome to Canada. Ça, il y a ça d'abord. Et puis maintenant, quand tu arrives à la banque pour faire tes papiers, vous comprenez, on va t'accorder une certaine importance. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire, la banque, c'est pas, on veut ton argent. Mais tu veux mon argent même. Quand tu me tiens en respect, pendant que tu veux mon argent, ça me donne de la valeur un peu. Tu veux mon argent, mais tu me tiens en respect. Tu me mets en haut. Mais en Afrique, on veut ton argent et puis on te méprise. Vous comprenez? Partagez le direct. On veut ton argent et puis on te méprise. C'est, nous, on est contre ces genres de pratiques-là. Nous, on veut que les mentalités changent, les comportements changent. C'est pour ça que nous, on est là. Pour en parler. Vous comprenez? Quand on arrive à une entreprise, comment on te reçoit, ça te rassure. C'est pareil partout. Oh là là. Vous comprenez? Les gens jouent avec le travail. Hein? J'ai suivi ton direct, tu as mis la censure, on reçoit mal. Oui, c'est vrai. On reçoit mal. Mais les filles que tu embauches veulent te ressembler. Toutes les filles que tu embauches dans ton institut, Emma Loès, elles viennent parce qu'elles veulent te ressembler. Elles veulent percer. Elles ne sont pas là pour mettre ta business en haut. Elles veulent qu'on dise que je connais Emma Loès. Je travaille dans son institut. Tout et tout. Que tu vas, on dit que tu es une géreuse de busy. Tu vas les mettre en contact et elles vont envoyer les busy. Voilà pourquoi elles sont là-bas. Maman, tu n'avais pas compris ça? Si tu n'as pas compris ça, moi les papiers te disent ça. C'est pour ça qu'elles viennent. Alors que toi, tu travailles comme ça. On voit comment aussi tu sensibilises. C'est ça. Vous comprenez? L'accueil, là, ça véhicule l'image de ton entreprise. Oui, j'insiste là-dessus. Je vais insister autant que faire se peut. L'accueil, là, c'est ça qui va faire que quand on rentre dans ton entreprise, on dit, souvent quand tu arrives, tu vois, la façon, j'ai vu dans ton, je suis contente. J'ai vu dans une de tes vidéos, les gens arrivent, tu leur offres du café, tout et tout. Mais est-ce que le personnel que tu prends? Oui, parce que on finit de faire une formation, mais il y a dit que c'est les Whitey qui ont compris. Partagez-moi le direct. Les Whitey ont compris ça. On est infirmiers, nous deux. On a fini la formation. Tu es préposé aussi comme moi. On a fini la formation. Mais quand on est en train de faire les stages, chacun sait où il peut aller travailler. Il y a d'autres qui peuvent aller dans les soins intensifs. Les soins intensifs, là, ça roule comme ça. Ça dit que les filles qu'elle a là, il y a une façon. Aïe, maman, je vous parle là. Quand ma bouche parle là, c'est pas mon expérience. Ma bouche parle au Canada là. J'ai mon expérience. Il dit que j'ai fait l'équipe volante dans l'un des grands hôpitaux. Ça dit qu'un grand hôpital ici à Montréal. Le CHUM, tu arrives, tu travailles dans les soins intensifs. On n'a pas besoin de te dire, il y a une manière comment tu dois attraper les fils. Il y a une manière comment tu dois tenir le patient. Un patient qui est intubé, il y a une manière comment vous devez le tourner. Mais quand tu finis la formation de préposé, toi tu peux savoir si moi je suis capable de travailler aux soins intensifs. Les filles que vous prenez là-bas, là, souvent elles ne sont pas adaptées à cette clientèle-là. Toi tu as ta clientèle spéciale. Ces filles-là, elles sont faites souvent. Elles ont fait l'école, mais elles sont faites pour aller travailler au marché des belles villes. Il dit ça pour voir. Les filles que tu embauches dans ton entreprise, elles sont faites, elles sont pas faites pour une certaine clientèle. On fait ça ici, on le voit.
On te demande, quand tu viens là-bas, on te demande, est-ce que tu penses que tu es mieux pour l'hôpital ou bien tu es mieux pour le centre d'hébergement? Il y a d'autres là, quand ils vont à l'hôpital, ils disent, moi, je ne peux pas à l'hôpital. Il y a d'autres aussi, moi, je suis allé au centre d'hébergement, il dit, ici, ce n'est pas ma place. Moi, je suis venu pour apprendre mieux, pour comprendre les choses de la médecine. Même si je ne suis pas docteur, je comprends comment les médecins là, moi, comment ils intubent les patients, comment des patients sont dans une situation. Et puis, mais oui! Mais vous prenez pas, elle a fait la formation, mais elle a fait la formation, est-ce qu'elle était adaptée pour travailler avec ta clientèle? Hmm? Est-ce qu'elle était, ça dit qu'elle répondait à tes critères pour travailler avec cette clientèle de confort, cette clientèle de luxe que tu as? Est-ce qu'elle était adaptée à ça? Il y a tous ces éléments-là qu'on va aller chercher. Oui, c'est vrai, tu as reproché aux employés. Mais maman, prends ta part aussi des responsabilités. Emma Louès, je veux que tu prennes ta part. C'est quoi ma part? Est-ce que c'est cette générosité débordante là? Est-ce que, oui, et puis vous avez cette familiarité. Tanti, la vieille mère Lolo, tant, je dis que apprenez à ce que vos employeurs vous appellent madame. Ça dit que quand il y a une certaine familiarité, ça dit qu'on commence à être trop familier, il y a le manque de respect qui vient. Parce que si tu travailles pour moi et puis tu bâcles mon travail, tu es en train de me manquer de respect. Ben c'est ça qui me donne à manger. J'ai investi dedans. Et puis tu viens, tu bâcles ce travail-là. Vous comprenez? Évitez la familiarité. J'ai fait une vidéo il y a plus tard, il y a peut-être un an, quelqu'un a dit, ça c'est, elle se prend pour qui? Il y a dit les tantis, les tontons, où on envoie les affaires pour payer les bananes braisées. On fait tant. On n'a qu'à quitter dans ça. On a fini à ça maintenant. Vous comprenez? Donc, si ce côté-là, tu as regardé ça, ça dit que tu as essayé d'améliorer ce côté. Oui, aujourd'hui, tu es venu te plaindre de ces employés, mais c'est sûr que tu dois avoir ta part de responsabilité. Hein? Tu as ta part. Moi, aujourd'hui, si ma business ne marche pas là, je vais m'asseoir. C'est quoi qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui, ça n'a pas marché? Pourquoi les employés sont rendus à ce lassisme-là? Oui, ils ont géré la business comme ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'en tant qu'employeur, toi aussi, prends ta part. C'est toi ce qui connais ta part. Tu vas connaître ta part. Quand tu vas voir mon direct, tu as dit que tu as médité là-dessus. Vous comprenez? C'est ça, il faut comprendre. Oui, c'est bien beau, on va accuser cette jeunesse. J'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai dit qu'il n'y a aucun employeur qui doit permettre que la jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes aient le téléphone pendant les heures de travail, à moins que ce téléphone-là soit l'outil indispensable, tu as besoin de ça pour travailler. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est ça. J'ai vu de faire ma vidéo aujourd'hui, j'ai vu ta sortie. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pas qu'il a dit qu'il y a des personnes qui sont pas... En tout cas, c'est pas tout le monde même qui peut comme créer une business quand tu es d'une générosité sans nom. Parce qu'il y a le côté plus sentimental qui va prendre le dessus. Et puis en Afrique, les gens aiment jouer sur le côté sentimental. On vient dans ta business, hein, on pense pas que toi tu as trop investi dedans. On vient pour, on regarde que le côté où toi, eux, ils vont bénéficier. Mais je l'ai dit dans une de mes vidéos, tu vas pas venir juste, mais où on met la productivité? Hein? Oui, hein, je t'ai embauché, mais moi j'ai besoin de la productivité. Toi, en tant qu'employé que j'ai embauché, c'est quoi tu me rapportes? C'est quoi tu me rapportes? Faites des... Ça dit dans des entreprises que vous avez des business, faites des réunions rotatives. Chaque fois, tu constates un élément. Ça dit que c'est comme ça les Whitey ont fait et puis ils nous ont capté. Il a constaté quelque chose, il t'appelle. J'ai dit qu'au Canada, tu marches les fesses serrées quand tu travailles dans des bureaux. Quand tu travailles à l'hôpital, tu travailles wherever où tu travailles, les fesses serrées. Quand la boss vient te dire, Monique, je vais te voir au bureau. J'ai dit, tous tes ailleurs de ton village, tu vas penser à venir. Mais qu'est-ce que j'ai fait où? Ah, Monique. Ça dit, tu vas réfléchir. Qu'est-ce que. Ça dit, tu vas te demander. J'ai dit, tu n'es plus à l'aise. Souvent, mais tu dans la voix, madame, maintenant, elle dit, non, plus tard, quand tu vas être à ta pause. Ou bien quand. Ça dit, elle va faire de telle sorte que tu vas méditer là-dessus. Mais des gens font des erreurs dans le travail. Oui, c'est vrai. On peut faire des erreurs. Même Wendy est partie travailler. Le premier jour, vous avez vu, elle est partie travailler. J'ai dit que quand elle partait, tous les conseils que je lui ai donnés, tout et tout. Mais ça dit qu'elle est revenue. Un moment, on ne l'appelait plus pour travailler. Elle a commencé à tomber. Maman, est-ce que tu penses que j'ai fait une erreur? J'ai dit, quand tu travailles là-bas, est-ce que j'étais là-bas? C'est toi qui étais là-bas. Moi, est-ce que j'étais là-bas?
Elle dit, mais on ne m'appelle pas. Je ne vais pas lui dire tout de suite que non, on ne t'appelle pas. Bah, tu es nouvelle, ça prend du temps, tu es sur la liste de rappel. Mais quand j'ai vu qu'elle stressait, elle a même commencé à tomber en dépression. J'ai dit, ah, enfant de 14 ans va tomber dans la dépression de travail. J'ai dit, non, je vais t'expliquer. Son papa et elle ont lui expliqué, non, quand tu es nouvelle, on t'appelle un peu. C'est après que tu as commencé à faire tes heures, tout et tout. J'ai dit que les larmes étaient là. Wendy a pleuré ici. J'ai dit, mais tu sais, c'est quoi ton problème? Non, je pensais qu'on m'avait chassé parce que je n'avais pas bien fait le travail. Elle dit non, on ne t'a pas chassé. Jusqu'au jour où on l'appelait. Et quand on l'appelait, elle a un ami qui venait lui rendre visite, le fils de ma copine. Ils allaient aller le rendre. Elle m'appelle, maman, il y a un gros problème. J'ai dit, c'est quoi le gros problème? Elle me dit, Bradley s'en vient, mais le travail m'appelait. J'ai dit, ma fille, dis à Bradley que le travail t'a appelé. C'est le travail d'abord. Il faut. Elle dit, mais il va être dessus. J'ai dit, si il est dessus, c'est pas grave. On dit, on t'appelait pas, il y a du rof. Faut aller. Si tu ne vas pas là, la prochaine fois, ta boîte va te sauter. Elle va te sauter à passer au suivant. Mais quand elle est partie, elle était contente. Maintenant, elle a eu la paye. La partie de la paye, hein, c'est ça, il vous explique. Pour vous expliquer que la vie n'est pas facile. Même les enfants, petit, on les prépare à la vie. Vous comprenez? Quand elle a eu la paye maintenant, elle est venue, maman, j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit, ah oui. Elle dit, la paix est tombée, maman, tu ne peux pas t'imaginer. J'ai dit, ah ouais, tu as eu la paix. Mais je vais te donner tant, je vais te donner, non, donne à ton papa, donne un peu à ton père, le reste sont maintenant. Le matin, elle est couchée là, je suis allée la voir pour lui dire, tu sais, on veut prendre la plus grosse partie de ta paix et puis les autres l'ont donné. Elle a écaquillé, quoi? Ma paix va passer, donc toujours vous allez garder ma paix. Le visage de l'enfant de 14 ans a changé dans la paix de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé pour son argent. Et au Québec, on dit, j'ai travaillé pour son argent. Elle a dit, non, je suis capable de gérer. J'ai dit que non, moi, à faire des grosses chaussures, les gros trucs que tu payes de 100 dollars, moi, je ne suis pas dedans. Je veux que tu connais. Non, maman, je ne veux pas te décevoir. Je vais économiser. Maman, j'ai trop travaillé fort pour pouvoir payer mon ça dit, pour pouvoir prendre tout mon argent pour payer les grosses chaussures. Vous entendez? J'ai trop travaillé fort. Donc, ça prend de l'éducation. C'est quelle sorte de façon de l'éduquer? Vous comprenez, ça prend de l'éducation. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Il y a des stratégies qu'on met en place. Une cliente qui est venue une première fois, qui vient la deuxième fois, si elle était venue, que vous avez bien causé, tu as vu qu'elle a une bonne ambiance avec ses enfants, quand la cliente, ah, comment allez-vous, madame, tout et tout, est-ce que les enfants vont bien, monsieur, ça va à la maison, madame, ça fait partie. La preuve, moi, quand je vais voir mon médecin de famille, il me demande, et la grande Wendy, c'est une grande dame, il connaît, il a vu Wendy une ou deux fois. Donc, vous comprenez, tout ça, c'est le côté humain. Oui, dans le marketing, là, l'approche avec la clientèle, on doit mettre le côté humain. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Vous comprenez? Donc, je suis là aujourd'hui pour que vraiment les gens comprennent que c'est important. Dans les banques, on arrive. C'est à peine si on te regarde, si tu n'es pas capable de donner un pourboire. Mais ça se résume à tout. C'est depuis loin là-bas. Tu n'es pas capable. Quand on dit, ah, voici, moi, j'ai travaillé à la banque, hein. On dit, le client avare, là, est venu. Lui, il est trop à Tchébé. À Tchébé, là, ça veut dire, il est avare. Il est pingre, il est près de ses sous. Le client est dans le rang là-bas, hein. Et puis, on dit qu'il est à Tchébé. Donc, vous comprenez. Ça veut dire qu'il y a toute une éducation à refaire. Il y a le comportement humain. C'est vrai. Mais il y a de l'éducation à faire. Si tu fais une business là, détache-toi de tes clients. Oui, il y a le côté humain. Aujourd'hui, tu as vu que tes employés, ça, tu vois que tes affaires moussent. Ça, c'est à l'hôpital, on a pris ça. Quand elle voit que ça va bien, tout et tout, il n'y a pas trop de tout ça, elle vient, elle envoie des beignes, elle a du café un samedi. On nous envoie, on dit c'est la boss qui nous envoie. Mais c'est une boss qui est stricte, hein, la boss qui ne voulait pas qu'on s'asseye là. C'est elle. Elle ne veut pas qu'on s'asseye, même s'il n'y a pas de travail. Il a dit que quand tu arrives là, tu quittes là, dès qu'on a versé, ça dit qu'un sac de ciment mouillé sur ton dos. Pourtant, tu n'as pas travaillé. Elle dit, on ne s'assoit pas. Tu n'as pas t'asseoir. Il n'y a pas de travail. Hein. Mais allez demander aux patients s'ils ont besoin d'eau, s'ils ont besoin. Il dit, on ne va pas s'asseoir. Vous comprenez? Mais c'est une boss qui était gentille. Les samedis, quand on partait sur son département, elle paye des bains et puis elle fait livrer. Donc, c'est ça. Il faut revoir ta stratégie, ma chérie et ma louesse. Il faut revoir. Tu as un bon fond, ça c'est clair. Mais le bon fond là, ça paye pas trop en entreprise. Crée un certain détachement avec tes employés. Crée un détachement. Oui, il faut, ça dit, mettre un peu une distance.
Et puis, de loin, quand tu vois que tes affaires vont bien, il faut récompenser les employés qui travaillent bien. Hein? Lui qui a bien fait devant l'autre, tu l'apprécies. On nous faisait ça au travail. Hein? On nous faisait ça. On a une soeur guinéenne ici, Mariama. J'ai dit qu'elle a fini elle, les soins intensifs. Un patient tombe en code bleu. Mariama, son cœur, papa. J'ai dit, mais où tu enlèves ta force là? Elle dit, on dit, je ne sais pas où. J'ai dit, elle panique pas. J'ai dit, même, jusqu'à un médecin interne a dit, ben mon Dieu, tu as un sang-froid. Je suis avec elle, voici, personne avec moi. J'ai dit, voici, elle va faire ses yeux comme ça. Hé, hey, j'ai dit, comment elle fait? Mariama, on fait comment? Elle dit, Monique, calme-toi. Calme-toi, ici, c'est les soins intensifs. Ici, là, calme-toi. J'ai dit, tac, tac. J'ai dit, quand la bosse est venue devant moi, elle l'appréciait. Mariama, moi-même, je suis, j'étais préposée comme elle, mais je l'appréciais. Tu traînes, Mariama, ton cœur bat pas. Vous comprenez? Mais on l'appréciait souvent, on lui donnait des... Ça dit qu'on lui rend... Appréciez vos employés qui font la différence dans les entreprises. Hmm? Appréciez! Ça va faire mal à l'autre. Mais au moins là, elle va comprendre que ton employé, tu vois que quand les clients viennent, ils parlent de lui là, apprécie-le. Hmm? Tu dis en tout cas, il y a tel client qui est parti, elle est venue, elle a dit de bons commentaires, continue comme ça. Quand les autres vont voir que on les apprécie pas, tout et tout... Et puis, chaque 3 mois, essaie de faire une révision. Il y a qui a enlevé dans le lot. Arrêtez le sentimentalisme dans les affaires. Qui je vais faire sauter? Il y a dit, partagez mon direct. Partagez-le. Toi, attends, mon petit. Partagez. Qui je vais enlever? Enlever, là, c'est pas mauvais. Ça dit que le maillon trop faible, tu vois qu'il est trop faible dans le groupe. Oui, il est faible, mais il n'est pas mauvais. Tu vois qu'à la longue, il peut s'améliorer. Tu peux. Mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui est là, il est zéro pointé. Il ne peut rien te rapporter à court et à long terme. Tu le gardes pourquoi? Tu le gardes pourquoi? Toi, tu as investi dans ta business. Tu as gardé quelqu'un qui ne peut pas te rapporter. Il y a de l'éducation à faire à tous les niveaux. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Donnez-moi le temps et puis partagez mon direct. Je vois, il a été partagé à combien. Je n'arrive pas à comprendre. En tout cas... Je vois et puis bon, si ça veut dire pas que mon direct excède une heure de temps. Oh là là, merci, waouh, 3000, oh là là, depuis que je fais les directs là, c'est la première fois, 3055 étoiles, oh my god, c'est pas vrai. C'est ça. Moi, mais je suis, j'ai une entreprise, donc je sais. J'ai une entreprise, je sais. Je regarde afin de prendre une, deux, et je dis, c'est bon comme ça. Au moins les parents viennent, je fais blé avec eux. D'autres viennent avec les mauvaises humeurs. Les enfants, ils arrivent le matin, ils se tombent ici. Oh, ça pleut ici. J'ai dit à la mère, va, c'est correct, je vais le prendre. Il n'y a pas un parent. J'ai dit que quand vous êtes en entreprise, faites bella de vos clients. Moi, je fais bella de mes clients. Je fais bella des parents ici. Si toi, un parent, il te dit stop là, ça veut dire que tu as voulu, ça veut dire qu'à un moment donné, Tu as voulu te mettre, ça dit que je peux tout accorder, hein, mais le côté où tu as pensé que tu es mieux que moi, humainement parlant, je t'arrête tout de suite. J'ai déjà arrêté des parents ici. Je l'ai arrêté, m'ont accusé de quoi. Après le lendemain, oh Monique, non, en fait, c'était pas quelque chose de sérieux. J'ai dit, c'était pas sérieux, mais moi, ça me prend des photos que je vais envoyer à mes partenaires, à mon ministère, à mon bureau coordonnateur. Non, attends, j'ai dit non, je vais prendre. J'ai pris les photos, il n'y avait rien. J'envoie les photos, mes parents me disent, mais Monique, on voit rien. J'ai dit, bon, voici. Le soir, il lui a envoyé un long message. Et puis, mes choses, je donne à elle les preuves. Il a envoyé un message, test, tout. Désormais, toi et moi, notre contrat est suspendu parce que tu m'as manqué, tu as touché mon intégrité. Ça, j'accepte pas ça. Mais sinon, à part ça, il y a dit les histoires qui n'ont rien à voir avec moi. On vient, on me raconte ça tous les matins. Si j'écoute, avec attention. J'écoute, pourquoi? C'est ma business, je protège. C'est ça qui est là. Mais vous faites le business. Il dit, vous faites le business. Emma, Lolo, tu n'as rien venu. Moi-même, l'impacteuse, là, c'est aujourd'hui, j'ai compris. C'est quand on voit seulement ces photos, un make-up. Ta business, là, même, là, tu parles. Bon, peut-être que tu ne veux pas introduire ta business dans les réseaux sociaux. Mais à part make-up et puis joli, tissage. La beauté, les tatata.
Votre business, vous ne parlez pas. Peut-être que vous parlez ça sur Instagram, sur les autres. Nous, on ne va pas là-bas. Maman, je suis déjà trop chargée pour aller encore sur d'autres réseaux. Donc, ça veut dire que... Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît. Merci pour les étoiles, Christelle Aubry. Oh là là, je ne peux pas citer tous ceux qui ont donné les étoiles. Merci. On n'a qu'à travailler ce côté. On n'a qu'à travailler ce côté. Tant le côté de ceux qu'on emploie, mais nous aussi. Bah, il y avait dans ton direct, tu as juste parlé d'eux. Mais moi, quand je te vois là, ton côté générosité, ton côté où tu aimes rire, ça prend le dessus. Et ça, en business, ça ne rapporte pas. Bah, les gens retiennent toujours le côté de où tu es généreuse là. Mais ça prend du professionnel. Ouh là là, 12h45. Non, je vais voir le temps que j'ai fait sur mon direct. Angela Koufor, comment vas-tu? Ouais, donnez-moi le temps que ça fait. Je ne vais pas aller au-delà d'une heure. Que les Africains comprennent que ce n'est pas ton employeur qui te paye. Dans toutes les entreprises du monde, ce n'est pas ton employeur. C'est les retombées de ce que l'entreprise rapporte qui te donne le salaire. Donc, ça veut dire que c'est les clients. C'est les clients. Voilà. Gisèle Kouadou, merci beaucoup pour les étoiles. 50 minutes. Bon, je vais couper le direct. Je ne vais pas aller au-delà d'une heure. Merci beaucoup. Merci pour tout. Au risque de me répéter, c'est ça qui est là. Chacun joue sa part. Chacun fait sa part. Et puis, Molière même est revenu de sa tombe. Je ne sais pas de quel Molière on parle. En tout cas, merci. Merci les amis. Merci. Tout ce que je vous demande, c'est de partager massivement le direct. Partagez-le. Les informations. Non, Versailles, que quoi? Balai a fait des balais. Moi, mais je ne crois pas. Ça, quand j'étais petite, on m'a accusé de vol alors que je n'avais pas volé. Donc, quand j'ai vu le jeune, ça m'a fait mal. On m'a accusé de vol. On m'a dit que j'avais pris combien? J'avais pris 100 francs alors que ce n'était pas moi qui avais pris. Ce n'était pas moi. Je n'avais pas pris les 100 francs. On n'a pas mis balai sur mon cou. Mais parce que j'ai pleuré. Quand mon père est venu me trouver, il a dit que ma fille n'a pas pris ton argent. Il dit, va chercher ton voleur. Il a dit ça. Il a dit, va chercher ton voleur. Ça dit, tellement j'ai pleuré, mes yeux étaient enflés comme ça. Mon papa est venu, il a dit que ma fille n'a pas pris tes 100 francs. Tes 100 francs qui ont disparu là, va les chercher, c'est pas ma fille qui a pris. Donc quand il a vu mon image, bon, ça, qu'est-ce que ça peut apporter à notre société? Bon, mes amis, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour toutes ces étoiles. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ciao, ciao.